J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est parti pour un nouveau vlog, le vlog du mois d'avril, puisque on est jeudi 6. Je vous aurais bien pris en début de semaine, sauf que j'avais tous les enfants à la maison, étant donné que la maîtresse de Marius était malade. Mais là, ça y est, j'ai pu le remettre à l'école ce matin et je me retrouve seule à la maison avec Félix. D'ailleurs, je viens de le coucher pour qu'il ait le temps de dormir un petit peu, puisqu'on va pas tarder à repartir. On a rendez-vous à 10h chez le docteur pour sa visite mensuelle et les vaccins comme tous les mois, voilà. Et je débute ce vlog dans un décor qui vous est peut-être peu familier, parce que c'est vrai que bon, j'ai pas trop de raison de vlogger ici habituellement dans la chambre de ma fille. Mais c'est dans cette pièce que sont stockés absolument tous les vêtements des enfants. J'en mets pas dans la chambre de Marius parce que je mets tout, en fait je vais retourner après l'appareil photo. Vous comprendrez mieux, mais je stocke tout dans une commode. Il y a trois tiroirs, donc c'est un tiroir par enfant. Et la semaine dernière, j'ai commencé à essayer le 9 mois pour Félix. Il rentre très bien dedans, donc je vais commencer à mettre de côté les vêtements trop petits en taille 6 mois et à les remplacer par du 9 mois. Tiroir du haut Marius, tiroir du milieu Louloute, tiroir du bas Félix. En fait, vous comprenez pourquoi je ne pourrais pas avoir de quatrième enfant? Tout simplement parce que ma commode n'a pas 4 tiroirs, voilà. Non, évidemment, c'est une plaisanterie. Est-ce que vous connaissez ces réveils? Mais c'est juste la vie, ces réveils. Je sais même pas si je vous en ai déjà parlé et pourtant ça fait des années qu'on les utilise. C'est-à-dire que c'est la seule raison qui pousse nos enfants à pas nous sortir du lit à 6h du matin. En fait, ils sont paramétrés la semaine pour les réveiller à 7h25 et le week-end à 7h45. Voilà, comme ça, vous connaissez nos horaires du matin. Et en fait, le concept, c'est simple. C'est qu'on a un lapin en haut qui est réveillé et en bas, un lapin qui dort. Et en fonction de l'heure, eh bien, il y a une toute petite lumière qui va mettre en évidence soit le lapin du haut, soit le lapin du bas. Voilà. Et donc, j'ai tous ces vêtements à replier comme il faut et puis à ranger. Et ça, c'est un pyjama trop petit, vraiment trop petit, hein. C'est du 3 mois. Pour la petite histoire, c'était le propriétaire de notre ancien appartement qui nous l'a offert à la naissance de Marius. Et alors, c'est très rigolo parce que à l'époque, on n'y voyait aucun signe. Mais maintenant, il prend tout son sens. Donc, on a papa, maman, on a mon grand frère Marius, ma grande sœur Louise et moi, donc Félix. C'est trop drôle. À l'époque, on n'avait que Marius. À aucun moment, je me disais, après j'aurai une fille, après j'aurai un garçon, et du coup, on aura toute la famille au complet. Super drôle ce petit clin d'œil. En fait, ce type était un visionnaire. Il avait déjà tout compris. Après, est-ce qu'il avait frit? Ça, c'est une autre histoire. Comme je vous parle vêtements, je vous montre un petit bout de la caverne d'Ali Baba. Dans l'armoire de Louise, en fait, j'ai commencé à leur acheter des petites pièces là pour cet été. Et franchement, j'allume la lumière parce qu'il fait très sombre. Aujourd'hui, j'ai pas choisi la journée la plus ensoleillée pour vlogger. Mais je vous montre quelques petites tenues que j'ai trouvées pour elle. Que j'adore! Emmanuelle qui est toujours très prévoyante. Moi, ça y est, mes enfants, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour l'été. Donc, on a cette petite salopette short. Extrêmement mignonne. Une petite robe fleurie comme ceci. Alors, les vêtements viennent de chez... on a du Verbaudet, du H&M, du Tape à l'œil et du Petit Béguin. Voilà. Alors, j'ai des tenues un peu plus habillées, mais parce que cet été, en fait, on va faire baptiser Félix. On est invité à un mariage également. Bref, il fallait des jolies tenues. J'adore cette robe. Ça lui va tellement bien. Elle paraît un peu chargée comme ça, mais je vous assure que sur elle, c'est trop beau. Celle-ci, c'est finalement, je pense, celle que j'aime le moins, la réflexion. Ah, lui va bien, hein, mais bon. Oui, voilà, le cintre tout vide. Alors ça, c'est une robe qui lui allait très bien l'année dernière, mais comme elle paraît un peu grande, j'ai encore petit espoir que ça lui aille cette année. Et on a les deux dernières qui, en fait, celle-ci, elle est... non, elle se boutonne dans le dos, celle-ci. La dernière...
Je vais m'occuper de ranger tous les vêtements que vous avez vus sur la commode. Et puis ensuite, je vous parlerai vaisselle des enfants. Oui, parce que j'ai fait quelques petites acquisitions sympas que je voulais partager avec vous. Et ensuite, évidemment, on parlera lecture et je vous laisserai là pour aujourd'hui. Et ça y est, j'ai fini d'œuvrer. Il faut dire qu'avec ces séparateurs de tiroirs là que j'ai acheté il y a quelques mois chez Ikea, ça me facilite mais tellement la vie pour le rangement des vêtements et que ce soit pas la grosse pagaille dans les tiroirs. J'ai conscience que ça prend énormément de place dans la chambre cette commode, mais je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors je vous disais que j'ai acheté de la vaisselle là récemment pour les enfants. Déjà j'ai acheté une gourde pour Louise. C'est une gourde que j'ai trouvée sur Amazon, c'est la marque FJ Bottle. C'est une gourde que je trouve très chouette et qui pour le coup n'a pas l'air de fuir. En fait c'est un peu ma hantise avec les gourdes, hein. C'est que je trouve qu'elles vieillissent toujours très mal. On a acheté même les Décathlon et pour l'extérieur. Et même les Décathlons, elles fuient. En fait, mes enfants, ils ont deux gourdes. Ils ont une gourde dans leur chambre et ils ont une gourde dans leur sac à dos ou que je mets dans le sac allongé. Bref, pour l'extérieur. Et Louise n'avait pas de gourde dans sa chambre. Elle avait encore, vous savez, les gobelets Munchkin. Donc, c'est les gobelets soi-disant anti-fuite que les bébés utilisent au préalable pour apprendre à boire au gobelet et que s'ils le font tomber par terre, voilà, ça évite de mettre de l'eau partout. Et elle était encore à ça. Sauf que Félix est bien, il va très bientôt commencer à boire autre chose que du lait, donc on avait besoin de récupérer le gobelet. Et ma loulou est donc passée à la gourde aussi dans sa chambre. Donc j'aimais bien le design de ces gourdes-là. Et je lui ai fait choisir plusieurs coloris, sans surprise. Voilà, elle a choisi la rose avec les petits fruits, tout mignon. On a une espèce de paille ici hein, qui peut s'enlever. En fait, ça, la paille, c'est pour que l'enfant y boit droit. Si vous l'enlevez, il va incliner. Donc il y a une espèce de petite sécurité comme ça. Alors, pas hyper facile pour ma fille, mais en gros, pour boire, il faut... Hop, appuyez ici, ensuite ici, tchac, et ça dégaine l'embout. Et alors, test. Écoutez, pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Hein. À voir comment ça vieillit, mais en tout cas, ça n'en met pas partout. Donc voilà, ça c'est mon achat le plus récent niveau, entre guillemets, vaisselle pour enfants. Et puis je vais descendre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autre pour les kids. Alors me revoilà en bas cette fois, et je surveille l'heure parce que ça passe beaucoup trop vite. En même temps que le gobelet de Louise, j'ai acheté sur Amazon des gourdes de compote, donc des gourdes réutilisables parce que en fait je fais tout moi-même pour les enfants, enfin voilà, j'ai fait pareil pour Marius, Louise et donc maintenant Félix. Je suis désolée, j'ai chat dans la gorge et cette phrase fait beaucoup rire mon mari d'ailleurs, je ne dirai pas pourquoi mais voilà, j'espère qu'il ne regardera pas ce vlog. Alors oui, donc je fais tout moi-même, je fais les purées, les compotes, etc. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire en grosse quantité les compotes et du coup il en reste pour les grands. Alors franchement il y a plein de marques, il y a plein de choix, il y a plein de contenances différentes. J'ai pas pris les moins chers, j'ai pas pris les plus chers mais j'en ai pris que 4. Je voyais pas l'utilité d'en prendre davantage. Vous avez des petits animaux dessinés dessus, donc on a le côté quand même mignon que moi j'apprécie retrouver dès que je fais les achats. Donc on a une espèce de petit guépard comme ça, on a ici petit insecte vraiment trop mignon. On a le hérisson, et puis finalement on a, je suis désolée c'est sale, c'est pas encore passé à la machine celui-ci, mais la petite licorne, voilà. Donc j'ai été séduite par le fait que déjà ça passe en machine et en effet testé et approuvé avec le hérisson qui a été lavé et du coup qui est ressorti nickel. Moi ma crainte c'était que j'avais peur que ça dégouline de compote partout dans le sac et que ce soit la mauvaise surprise au moment de prendre le goûter. Mais en fait le système d'ouverture-fermeture c'est une espèce de pas un vrai zip mais vous voyez les trucs comme ça là sur lequel vous appuyez bien fort, c'est un nom mais je ne l'ai pas là, ça m'échappe. Et en fait il est hyper dur à ouvrir donc vous galérez. Mais bon, une fois que c'est ouvert et que c'est refermé, franchement c'est super bien fermé et ça ne craint rien. Donc voilà, la contenance c'est 148 ml. Moi je ne leur fais pas 148 ml de compote, ils en prennent 100, c'est l'équivalent d'une gourde normale en fait. Donc la marque c'est Snack Pack, voilà.
Et alors, pour finir, pour Félix, je lui ai pris un coffret repas sur le site Les Petits Citrons avec une assiette comme ça. Vraiment trop mignonne. Non, il y a plusieurs coloris, mais ça, c'est vraiment trop mon coloris. Les couleurs comme ça. On a les couverts aussi. J'ai fait inscrire Félix sur la cuillère. Et puis, sur la fourchette, on pouvait choisir le motif. J'ai pris une baleine. Et alors pour le moment, il n'utilise pas les couverts parce que bah, il a débuté la diversification alimentaire, ça fait même pas encore un mois, et la cuillère est trop grosse par rapport à sa bouche, donc c'est pas adapté. Mais ça viendra. L'assiette, c'est pareil, je l'utilise pas pour le moment. Je lui donne à manger dans les petits pots de conservation pour bébé, les petits pots en plastique. Parce que voilà, il mange pour le moment 65-70 grammes de légumes, bref, rien qui justifie vraiment qu'il ait besoin de l'assiette pour le moment. En revanche, ce que j'utilise systématiquement, c'est ce bavoir récupérateur qui est souple. Et alors ça, c'est vraiment la vie parce que j'avais un bavoir à récupérer, enfin un bavoir comme ça, là, vous savez, incurvé pour récupérer la nourriture. Hop, il me va bien en plus. Mais avec le temps, eh bien, la fermeture était vraiment fragilisée parce que Louise, quand elle sortait de table en étant plus grande, elle faisait comme ça. Et du coup, au lieu d'enlever proprement, eh ben, ça s'est fragilisé. Voilà. Et en plus de ça, c'était les bavoirs récupérateurs tout simples là, qu'on trouve sur Amazon, que vous et moi, on a dû tout savoir quand on était petits. C'est ceux qui ne sont pas souples. Ils sont rigides et franchement, c'est pas très compatible avec le gabarit d'un petit bébé de 4-5 mois qui débute la diversification alimentaire. Ça, c'est vraiment plus chouette, hein, le côté comme ça là. C'est vraiment ce qui est le plus adapté. Et puis en plus de ça, c'est mignon tout plein, donc ce qui ne gâche rien. J'en ai terminé avec ce petit haul vaisselle divers et variés. Je vais vous parler de ma lecture en cours et puis après, je vais vous laisser toujours l'œil sur l'horloge. Alors, je suis allée chercher mon livre, ça va aller vite, je n'apprécie pas ma lecture. Voilà, allez, au revoir, à demain. Ouais, franchement, c'est une grosse déception. Alors, je pense aussi que le fait d'être passé après le tome 2 de la saga Nevernight n'a franchement aidé en rien, puisque pour le coup, ça a été un beaucoup de cœur à l'image du premier tome. Et là, je suis en train de lire Les 10 000 portes de January. C'est écrit par Alix E. Earle. C'est sorti aux éditions Hachette dans leur collection L'Imaginaire. Ce livre, vous l'aviez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière. Je ne vous en veux pas, après tout, c'est moi qui l'avais pré-sélectionné. Mais franchement, non, non, c'est une grosse déception. Oh là, je m'ennuie, c'est plat à mourir. J'ai dépassé la moitié. Alors, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour lire aujourd'hui parce que hier, j'ai commencé à préparer le tissu pour coudre les housses de coussin pour mon fauteuil de la véranda. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais je crois que ça fait 2 mois, 2, 3 mois que j'avais acheté le... Ah ben, c'était il y a 2 mois, parce que c'était pendant les soldes, le tissu pour faire des housses, pour que mes enfants... Alors, non, ils vont pas arrêter de me salir, les coussins, mais en tout cas, déjà, un, ça se verra moins parce que ce sera plus blanc, et deux, je pourrais mettre en machine, voilà. Donc, j'aimerais me mettre à la couture aujourd'hui. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure je vais avoir le temps de lire, d'autant que si Félix a de la fièvre suite au vaccin, il va falloir que je sois très présente pour lui. Bref, ce livre parle d'une jeune fille qui a la capacité de traverser des portes qui apparaissent un peu de nulle part et qui mènent à des pays différents, des contrées différentes, des pays qui n'existent même pas franchement pour de vrai. Voilà, c'est des mondes un peu imaginaires. Et ce faisant, elle va en découvrir plus sur ses origines, son passé, etc. Et elle-même est en train de lire un livre qui s'appelle Les 10 000 portes. Voilà, c'est une espèce de mise en abîme. Je m'ennuie, je m'ennuie. Il se passe franchement pas grand-chose. Ce que je lis me déplaît au plus haut point. Voilà, c'est pas très constructif, hein, j'en ai conscience, je suis désolée. Peut-être que ce sera plus construit quand j'aurai terminé cette lecture et que j'aurai pu reposer un peu ça. Mais alors, pour le moment, franchement, c'est pas une grosse réussite. Voilà. Donc, je n'ai pas une motivation extrême à l'idée de me replonger dans ce livre. Je pense que je l'aurai terminé au plus tard samedi, dirons-nous. Mais voilà, là, c'est un peu corvée. J'arrive pas à abandonner des livres, donc je sais que j'irai au bout. Mais pas avec un engouement extrême, en tout cas.
Hello! Alors, je vous ai pris hier et je vous reprends aujourd'hui. Je vais juste pousser la machine à coudre qu'on voit un petit peu dans le champ. J'ai dû virer toutes mes affaires de coloriage parce que clairement mon bureau est trop petit pour tout accueillir. Il a fallu que je fasse des choix. Voilà. Donc aujourd'hui, on est vendredi 6 avril. J'ai décidé de vous reprendre encore une fois, bien que je vous ai déjà pris hier, mais c'est parce qu'on est à l'approche de ce long week-end de Pâques là qui arrive. Et avant les festivités, j'avais envie de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour les enfants qui attendent avec grande impatience ce week-end. Alors déjà, pour les œufs de Pâques, ça fait longtemps maintenant que je les ai achetés, ça va faire 2 mois. Chaque année, je les prends chez Action et à chaque fois chez Action, les choses apparaissent très en avance des événements. Donc c'est pour ça que je les ai déjà depuis un bon moment. Alors personnellement, vu que je suis un peu fine bouche sur le chocolat, je le trouve pas hyper fameux. Mais je connais mes loustiques, ils n'ont pas forcément le même palais que moi, on va dire. Et mes enfants, ce qui privilégie à leurs âges plutôt que la qualité et le goût du chocolat, c'est vraiment la quantité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ramasser masse d'œufs de Pâques dans le jardin. Après, pour eux, le chocolat, ça reste du chocolat. Et même si nous, on ne le trouve pas waouh, et ben eux, ils savent très bien s'en contenter. Donc, c'est pour ça que je le prends chez Action. Et pour agrémenter, pour pimper un petit peu cette chasse aux œufs, cette année, j'ai innové puisque j'ai découvert il y a quelques mois de ça un site internet qui s'appelle Tiduli, qui a été créé par une maman qui reprochait un petit peu que n'existent pas des escape games pour enfants. Elle, c'est une maman passionnée d'énigmes et du coup, elle a conçu elle-même divers scénarios à thème. Donc on en trouve pour Noël, on en trouve bien entendu pour Pâques et chaque année, eh ben, elle en ressort des nouveaux. Il y en a aussi pour les anniversaires. Bref, il y en a même pour tous les goûts et tous les âges. Et on en trouve pour les premiers âges, donc à partir de 3 ans sur le thème de Pâques. Et c'est comme ça que je me suis acheté le scénario du chapardeur de Pâques. Donc je l'ai payé environ 10 €. Alors moi je l'ai payé le moins cher possible parce que je l'ai imprimé moi-même. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, eh ben, vous pouvez demander à ce que l'impression soit faite au préalable et que vous receviez ça ensuite chez vous par courrier. Alors sur son site, on trouve des ressources qui sont gratuites, qui sont en téléchargement gratuit. C'est ce que j'ai utilisé pour le 1er avril puisque cette année, on n'a pas fait que colorier les poissons et se les coller dans le dos. J'avais aussi téléchargé sur son site internet une chasse aux poissons où j'ai pu ressortir ma plastifieuse. J'ai plastifié des petits poissons, j'en ai plastifié 20 que j'ai cachés dans le salon. Et chaque enfant avait sa grille qu'il devait cocher au fur et à mesure qu'il trouvait des poissons. Et dès que chacun de mes deux plus grands enfants ont coché tous les poissons de leur grille, et eh bien je leur ai offert en récompense un petit livre, je leur ai offert un nouveau Martine. Et alors l'avantage de plastifier les grilles comme ça, c'est que un coup de sopalin et pouf ça part et on peut réutiliser sans problème l'année prochaine sans avoir besoin de gaspiller encore une fois du papier en réimprimant. Voilà, et j'ai été prévoyante puisque j'ai même imprimé un jeu de poissons supplémentaire pour Félix quand il sera plus grand. Quant à nos poissons que chaque année on décore, on découpe et on scotche dans le dos, je les télécharge, c'est toujours les mêmes. Il y a 4 ou 5 planches qui existent je crois et vous pouvez les trouver gratuitement sur le site 10 doigts. Alors c'est rigolo parce que je sais qu'à l'école de Marius, ils ont aussi trouvé l'astuce parce que les poissons ce sont les mêmes que les nôtres, c'est drôle. Donc voilà, Didois, c'est un site hyper connu, hein, de toute façon, j'ai pas inventé la poudre. C'est un site très connu qui vend des fournitures aux particuliers comme aux professionnels pour les loisirs créatifs. Voilà. Alors, pour en revenir au week-end de Pâques et donc à cette petite énigme, cette petite aventure de Pâques, moi ce que j'ai acheté, c'est le chapardeur de Pâques. Alors le chapardeur de Pâques, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est un petit animal qui est allé voler une partie des chocolats et qui les a planqués dans un endroit top secret que les enfants doivent retrouver. Donc il va y avoir plusieurs suspects qui vont être à retrouver dans le jardin à proximité des chocolats. Et il va falloir savoir lequel de ces suspects est le coupable. Pour ça, il va y avoir plusieurs indices.
Et à la fin, ces indices vont permettre de révéler un motif sur cette carte. Et ce motif, en fait, c'est un dessin de boîte aux lettres, puisque la cachette secrète, c'est la boîte aux lettres. Voilà. Alors, c'est vraiment une petite aventure pour les plus petits, dans le sens où il n'y a pas de lecture possible. C'est une aventure qui a été conçue vraiment qu'avec des images. Donc, c'est hyper parlant pour les enfants, surtout accompagné d'un adulte. Ça va être génial. Là aussi, j'ai tout plastifié parce que je me suis dit, je ne sais pas quel temps on va avoir ce week-end. Visiblement, c'est plutôt bien parti. Dimanche, il doit faire chaud. Et bon, en tout cas, peut-être pas hyper chaud, mais très bon. Et surtout pas pleuvoir, mais on sait jamais. Et puis encore une fois, ça peut resservir d'une année sur l'autre. Je pense que d'ici l'année prochaine, Marius, même s'il ne se rappelle pas tous les détails, il se rappellera que la cachette, c'était la boîte aux lettres. En revanche, Louise, ma main a coupé qu'elle aura tout oublié parce qu'elle est plus petite. Donc Marius pourra accompagner Louise dans cette redécouverte. Et par la suite, ma foi, ça servira à Félix. Et quand ça servira plus à la fratrie, eh ben, on fera tourner auprès des copains. Voilà. Donc je suis très contente de cette petite découverte, j'espère qu'ils l'apprécieront autant que moi. J'ai tout préparé, donc on est dans les starting blocks pour ce week-end. Et c'est pas tout, puisque dans la boîte aux lettres, en plus de chocolat supplémentaire, ils vont aussi trouver cette petite surprise que j'ai trouvée sur Amazon. C'est en fait une activité manuelle avec des petits poussins à pimper, à décorer. On a des, comme des petits vêtements à faire sur la coquille, voilà, des petites décorations. Donc ça va bien les occuper aussi. Et ils vont aussi recevoir un livre sur la thématique de Pâques que j'ai reçu de la part des éditions Kiman, que j'ai pas encore déballé, mais je l'ai demandé il y a quelques jours, donc je sais que c'est ça que je vais recevoir. Je me suis levée pour aller chercher un autre livre que j'ai. Alors c'est pas des éditions Kiman, c'est des éditions Grund, donc je me le suis acheté il y a 3 ans peut-être. Ça s'appelle En attendant Noël et j'aime beaucoup parce que c'est comme un calendrier de l'Avent, mais ça parlera à ceux d'entre vous qui sont catholiques, puisque on a en fait le calendrier de l'Avent qui consiste à offrir des déguisements pour que les animaux de la forêt représentent la crèche, une crèche vivante à la fin de l'histoire. Voilà. Donc ça, voilà, moi j'ai adoré cette histoire, je continue de la lire aux enfants tous les ans, j'aime beaucoup les dessins. Et en fait, dans le catalogue Kiman, j'ai pu m'apercevoir que l'illustratrice avait fait un nouveau livre sur la thématique de Pâques cette fois-ci. Donc on va ouvrir le colis ensemble. Si je prends du bon côté, ce sera plus simple. Voilà, c'est ça, et ça s'appelle la toute première chasse aux œufs. Alors, je vous lis ce qui est écrit au dos de l'ouvrage. Chaque année, Petit Poussin et Monsieur Lapin travaillent dur pour offrir des œufs de Pâques à tous les animaux de la forêt. Mais c'est toujours Monsieur Lapin qu'on félicite. Il est temps pour Petit Poussin d'élaborer un plan astucieux pour que son talent soit reconnu. Mais quand le plan dérape, cela donne la meilleure chasse aux œufs de Pâques de tous les temps. Un album chocolaté plein d'humour qui offre une toute nouvelle version de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Super! Et donc, que je vous dise de qui il s'agit, eh bien, écoutez, c'est exactement les mêmes personnes au dessin qu'au niveau de l'écriture. Donc, c'est Adam et Charlotte Guilin et Pippa Koenig, sauf que bah, celui-ci est sorti chez Kiman, tandis que l'autre est sorti chez Grund, voilà. Alors, je vous montre une petite page. Alors, c'est rigolo parce que c'est exactement les mêmes personnages. Je reconnais cette souris. C'est exactement les mêmes personnages que dans l'autre livre. Trop bien! J'ai hâte de découvrir ça en même temps que les enfants, mais ils vont adorer. Oh, merci, merci Kiman. Alors là, franchement, grâce à vous, notre week-end de Pâques sera vraiment de toute beauté. Et alors, avant de vous laisser, j'ai un autre petit unboxing à faire, puisque j'ai reçu un message de la part de Marie qui me disait qu'elle allait de temps à autre sur ma wishlist Amazon piocher des idées de livres à acheter pour elle, vu qu'on a plus ou moins les mêmes goûts de lecture. Et dans ma wishlist Amazon, elle y a trouvé un livre qu'elle s'est acheté et qu'elle a lu il y a un an, je crois que c'était l'été dernier, et qui l'a sauvée d'une panne de lecture. Elle a retrouvé le goût de lire grâce à ce livre. Et au passage, elle a découvert la plume d'une nouvelle auteure.
Alors, quand elle m'a dit ça, j'étais très intriguée parce que du coup, elle m'a dit bah, je te l'ai acheté ce livre en voyant qu'il était dans ta wishlist tout en espérant que tu l'apprécieras autant que moi et que tu pourras me dire rapidement, je l'espère, ce que tu en penses. Voilà, donc évidemment, Emmanuel était ferré, mais de quoi s'agissait-il? Alors, j'ai joué le jeu dans le sens où quand elle m'a dit ça, ben, je ne suis pas retournée sur ma wishlist Amazon pour me laisser encore plus surprendre. Et donc là, ce matin, dans ma boîte aux lettres, il y avait, en plus donc, du service presse que je viens de vous montrer, deux colis Amazon. Alors, il y a l'un des deux qui vient de Marie et l'autre qui vient de moi, puisque je me suis fait ma commande Amazon. Alors, j'ai pas commandé grand-chose sur Amazon. Ce mois-ci, j'ai dû commander deux ou trois choses, dont une précommande que je recevrai dans quelques jours et que j'ouvrirai devant vous. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui va sortir là tout bientôt et que je compte lire à chaud avec vous, voilà, en vlog. Oh, j'ai oublié de ranger ça qui s'est glissé sous la machine à coudre. Oui, parce que en fait, dans cette petite aventure Pascal, on a aussi des puzzles à reconstituer. Donc, il y a des petits morceaux qui se baladent un peu partout. Voilà. Donc, pour en revenir, voilà, l'un de ces paquets vient de Marie et l'autre, c'est ma commande Amazon. Comme il s'agit de deux livres de poche, je ne peux pas vous dire lequel est lequel. Donc, je vais ouvrir. Je ne sais pas pourquoi j'ai le feeling que c'est celui-ci que m'a offert Marie. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit parce que donc je ne suis pas retournée sur ma wishlist Amazon pour avoir encore plus de chances de me laisser surprendre. Intuition gagnante. Ta-da-da-da. Merci, Marie. Alors, juste la couverture, là, est un petit peu bizarrement coupée. Il va falloir que j'y revienne avec... Alors, peut-être pas une paire de ciseaux, parce que moi, les ciseaux, je suis vraiment manchot, j'arrive pas à couper droit. Peut-être un cutter. Donc, Marie, tu as choisi de m'offrir Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin. Ça fait pas longtemps que je l'ai ajoutée à ma wishlist. Ça fait peut-être un petit mois ou deux. J'en ai entendu parler en termes vraiment élogieux de ce roman. Donc, c'est un roman historique qui porte sur une femme qui a vraiment existé, qu'on a surnommée Mademoiselle Papillon, et qui est, je crois, infirmière. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est un livre qui parle du milieu hospitalier en néatologie, il me semble. Donc, voilà, Gabrielle, 30 ans, s'occupe de grands prématurés. Impuissante face à la souffrance de ses patients, elle glisse dans l'indifférence quand elle découvre l'histoire de Thérèse Papillon, reconnue juste parmi les nations. En 1920, dans une France ravagée par la guerre, Mademoiselle Papillon est envoyée par la Croix-Rouge dans un dispensaire. Alors qu'elle tente d'accomplir sa mission, la vision des enfants qui succombent dans la rue l'obsède. Une ambition se forme et prend bientôt toute la place, bâtir une maison pour les protéger. Ça a l'air absolument passionnant. Donc, si tu l'as adoré, je pense que je vais succomber à mon tour parce que moi, c'est typiquement le genre de récit qui m'appelle et qui a tout pour me plaire. Voilà, un roman historique qui retrace une histoire vraie. Deux magnifiques portraits de femmes qui ont décidé de consacrer leur vie aux autres. Donc, c'est un roman très court, hein, il fait moins de 300 pages. Il va vraiment pas me faire long feu, j'allais dire. Et donc, bah, merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée par ce cadeau. Et puis, évidemment, je vais essayer de me le caser rapidement pour que tu puisses avoir mon avis dans la foulée. Alors, je te garantis pas que je le lirai au cours de ce printemps parce que j'ai un planning qui est déjà pas mal chargé. Mais si jamais, par exemple, au mois de juin, je vois que j'ai terminé toutes mes prévisions, eh bien, c'est possible que je le glisse d'ici la fin du mois de juin ou au plus tard cet été. En tout cas, merci beaucoup. Je suis trop contente et extrêmement touchée. Merci, merci. Bah, du coup, l'autre, je ne vais pas le déballer devant vous parce que moi, je sais ce que c'est. Et puis, je ne vais pas vous montrer toutes mes réceptions du mois dans cette vidéo parce que sinon, mes boucles n'ont plus aucune raison d'exister. Voilà. Du coup, je vous laisse et puis je vous retrouve courant de semaine prochaine, je pense.
Hello, aujourd'hui on est lundi 17 avril, ça fait maintenant quelques jours que je ne vous ai pas repris en vlog. C'est pas que je voulais lâchement vous abandonner, mais c'est que les journées ont été bien chargées et j'ai pas trop eu l'opportunité de vous reprendre plus tôt tout simplement. Aujourd'hui je suis pas toute seule à la maison, je suis avec Louise et Félix. Et on va, quand Félix sera réveillé de sa sieste parce que c'est le matin, on ira à la mairie récupérer nos papiers d'identité qui sont arrivés juste à temps puisque ça y est, pour notre petit voyage à Porto, on nous demande déjà les pièces d'identité. Donc ça tombe plutôt vraiment très 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 bien. Vous avez dû voir aussi dans les petits clips précédents qu'il y a eu du changement dans la maison puisqu'on a fait changer notre porte d'entrée. C'était quelque chose qu'il fallait vraiment qu'on fasse cette année. Je vous l'ai dit dans un autre vlog, tous les ans, on se lance dans des petits travaux dans la maison, voilà. Et alors, cette année, on a fait changer la porte d'entrée parce que la précédente était en bois et elle commençait vraiment à pourrir. Il n'y a pas d'autre terme, elle commençait vraiment à pourrir au niveau du bas de la porte. Et en plus de ça, pour la fermer, on est obligé de donner un grand coup d'épaule et de tourner le verrou du barillet. Donc c'était assez désagréable. Et puis bon, là, on a eu une belle opportunité de faire changer la porte. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris une porte blanche avec une ouverture. Et franchement, ça nous rend notre entrée beaucoup plus lumineuse qu'elle n'était. Donc on est vraiment très satisfait. La seule petite mauvaise surprise, entre guillemets, qu'on a eue, c'est que l'ouverture est vitrée, mais pas opacifiée. C'est-à-dire que si vous voulez, tout le monde peut regarder chez nous dans notre entrée. Donc c'est assez dérangeant. Je pensais vraiment que ça allait être opacifié ou si tel n'était pas le cas, que ça aurait au moins été mentionné par le commercial. Donc bon, après voilà, mon mari du coup fait des découpes sur une espèce de film opaque pour opacifier lui-même. Donc ça va se faire. Mais bon, c'est vrai que ça a été un petit peu la pseudo mauvaise surprise, voilà. Et cette année, on va encore faire d'autres travaux. Ça va être de remettre à neuf les toilettes du bas, qui sont vraiment dans leur jus, de même que la porte d'entrée. Depuis qu'on a emménagé dans cette maison, ça fait maintenant combien de temps qu'on est ici? Ça fait bientôt 3 ans et demi. Je vous avais parlé il y a quelques jours du fait que j'avais précommandé un livre qui sortait ce mois-ci et que j'attendais avec impatience. Et du coup, j'ai reçu ma précommande. Donc, ma petite Louise, tu veux bien ouvrir le colis à la place de maman? Ah, presque. Vas-y, tire par là, vers la droite. Allez. Yeah. Ah, ça, c'est un livre pour maman. Et tu me montres ce que c'est que j'ai reçu comme livre? Ok. Ah, merci ma petite assistante. Voilà, un nouveau livre pour maman. Merci ma jolie. Tu peux retourner jouer si tu veux ma belle. Je me suis précommandé le nouveau Christelle Dabos. Alors, pour la petite histoire, ce livre, il est sorti jeudi dernier. Et je l'ai précommandé sur Amazon il y a une vingtaine de jours. J'espérais comme ça l'avoir entre les mains le jour de sa sortie, le lire sur un jour ou deux parce qu'il est très court en fait, hein, il fait même pas 300 pages ce livre. Et je voulais échanger avec vous mes impressions au fil de ma lecture. Sauf que, eh bien, quand je l'ai précommandé, la date de réception n'a pas été validée. Je me suis dit c'est parce qu'il y a trop de monde certainement qui ont fait comme moi, qui l'ont précommandé et du coup ils peuvent plus forcément assurer de date de livraison au niveau des stocks. Donc le jour de sa sortie je n'ai rien eu et le jour de sa sortie je me suis retrouvée en librairie au Furet du Nord pour effectuer mon petit achat mensuel. Oui ma jolie, oui ma poupée. Et le fait est que je l'ai vu en librairie, j'avais envie de l'acheter mais je ne pouvais pas puisque j'attendais de recevoir ce colis. Donc je me suis fait un autre achat. Voilà, je ne vous ai pas emmené avec moi ce jour-ci parce que je n'ai pas forcément pensé. Voilà. Donc le fait est que j'ai vu ce livre en librairie. Je ne l'ai donc pas acheté puisque j'attendais ma précommande. Précommande qui est arrivée à la maison finalement le samedi. Soit quelques jours après sa sortie. Voilà, donc frustration extrême parce que moi, ce n'est pas le samedi que j'allais entamer ma lecture. Je veux dire, le samedi, j'ai les 3 enfants à la maison. Ce n'est pas le week-end que j'avance le plus dans mes lectures, hein, figurez-vous. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience, entre guillemets,
Et voilà, je l'ai donc eh bien, entre les mains seulement aujourd'hui lundi, grâce à ma petite Louise qui a gentiment ouvert le colis. Et je vais le lire. Et j'espère de tout mon cœur apprécier cette lecture. J'en ai de belles attentes. Mais en même temps, je suis extrêmement méfiante parce que je ne fais pas partie des conquises de la fin de la passe miroir. Le dernier tome s'est révélé très décevant. Déjà, le troisième tome était un petit peu en dessous des deux premiers, je dirais. Et le quatrième, l'auteur, j'ai trouvé que... voilà, elle se perdait franchement dans tout ce qu'elle racontait et le récit devenait inutilement complexe à mon sens. Ce qui est franchement dommage parce que La Passe Miroir, c'est quand même une histoire d'une inventivité folle et d'une poésie absolue au niveau de l'écriture. Donc j'espère que ce sont deux ingrédients que je retrouverai en lisant ici et seulement ici. Mais rien ne me le garantit non plus. Alors j'ai essayé de ne pas me faire spoiler parce que bien entendu, les personnes qui l'ont reçu en service presse l'ont déjà lu et l'ont déjà chroniqué. Je peux simplement vous dire que j'ai aperçu dans les grandes lignes qu'on nous parlera d'harcèlement scolaire. C'est franchement pas un thème que j'apprécie retrouver dans mes lectures, hein. Vous savez, moi je suis plus branchée... Fuyons loin d'ici et des problèmes de notre société vers un monde meilleur, voilà. Et visiblement, ce monde meilleur, je suis pas sûre de le retrouver dans ce livre, mais bon, nous verrons. En tout cas, si au moins je peux retrouver l'écriture si particulière de Christelle Dabos, eh bien, je m'estimerais déjà heureuse. Donc on verra, écoutez, on verra. Et je voulais également vous parler de ce livre... Les 10 000 portes de January, que j'ai donc terminé. Je vous en avais parlé un petit peu en débutant ce vlog. Je l'ai fini il y a bien longtemps maintenant, puisque entre-temps, j'ai lu deux romans en entier. Mais je peux au moins en finir avec ce livre et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc la dernière fois que je vous parlais de ce livre, je vous expliquais qu'il fallait que je mûrisse un peu mon avis, parce que à chaud, c'était vraiment trop compliqué de vous donner mon ressenti. Donc mon ressenti, maintenant, je peux vous le donner. Il est mauvais. J'ai mis la note de 1 sur 5 à ce livre. J'ai vu que l'auteur a sorti un nouveau roman, là, tout récemment. Je chercherai même pas à me le procurer. Et celui-ci, bien, je vais le revendre d'ici quelques jours. Parce que j'ai pas du tout envie de conserver un tel ouvrage dans mes bibliothèques. Tout simplement parce que rien ne m'a plu dans cette histoire. Alors, pour vous rappeler brièvement de quoi parle ce récit, on va suivre une jeune fille qui s'appelle January. Elle a son père biologique qui est souvent absent parce que c'est un explorateur qui ramène des objets rares, des artefacts à son patron. Et January, elle vit chez le patron de son père qui la considère un petit peu comme une fille adoptive. Un jour, January va faire apparaître une porte qui mène vers ailleurs. Elle va se rendre compte que c'est un peu son don à elle de faire apparaître des portes. Et alors, ce sont des portes qui peuvent mener à... attention, Louise. Ce sont des portes qui peuvent mener à différents pays, à des contrées lointaines, voire même des contrées oniriques. Qu'y a-t-il ? Alors, ce qui m'a pas plu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un rythme vraiment inefficace dans ce récit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de longueur, le livre est long à se mettre en place et il y a des passages vraiment confus, comme si finalement l'auteur maîtrisait très peu l'environnement de son histoire. Cette histoire de porte, elle était finalement très intéressante, mais je trouve qu'elle a été mal exploitée par l'auteur. De manière générale, en fait, toute la dimension fantastique du récit est mal exploitée, c'est-à-dire que l'auteur reste vraiment à l'essentiel, elle reste trop en surface, elle ne creuse pas assez. Il y avait des choses très intéressantes et intelligentes à faire et l'auteur n'a pas su eh bien, amener le truc à fond. Ce qui fait que moi, elle m'a perdue en route. Ça faisait trop brouillon, trop fouillis. Pareil pour les personnages, j'ai ressenti aucune empathie vis-à-vis d'eux, ils m'ont vraiment laissé froide. On a des personnages qui ont certaines capacités fantastiques et là aussi ça reste hyper superficiel. C'est très factuel, c'est l'auteur nous dit tel personnage est capable de faire ça, on sait pas d'où ça sort, on sait pas pourquoi, il y a aucun contexte et très rapidement l'auteur passe à autre chose. Donc vraiment c'était d'un ennui infini cette histoire. Je me suis vraiment pas amusée, ça va que j'abandonne pas les livres facilement, mais j'ai vraiment ressenti que je me forçais à aller au bout du récit et je déteste ce sentiment-là.
Hello, c'est encore moi. Je vous reprends un peu plus tard pendant la sieste des enfants pour vous parler de mon avancée lecture. Alors, avancée lecture qui se résume à pas grand-chose pour le moment. Ce matin, depuis l'ouverture du colis, je n'ai lu que 20 pages parce que la matinée était déjà bien avancée, parce que je suis pas que restée à la maison à lire, j'ai bougé avec les enfants. Mais j'avais quand même envie de vous faire un retour sur ces 20 premières pages parce que je me suis déjà fait une réflexion qui ne m'a pas plu, puisque j'ai remarqué que dans ce livre qui fait intervenir différents enfants, donc on va retrouver tout au long du roman, on nous présente Pierre, Madeleine, Iris et peut-être d'autres d'ailleurs. Ils sont au collège, alors pas tous dans la même classe, pas tous de la même année. Il y en a certains qui quittent le primaire et qui font donc leur entrée au collège, d'autres c'est leur deuxième année, etc. Et l'auteur les fait s'exprimer comme des jeunes. Et c'est un procédé que je déteste retrouver dans mes lectures. On le sait que les jeunes et les adolescents, ils sont grossiers, qu'ils emploient un langage familier. Et là, j'ai noté des termes comme ça, par exemple blablater à la place de discuter. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Capter à la place de comprendre. Bref, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose que moi, en tant que lectrice, j'apprécie pas du tout. Voir lire dans les romans, ça me heurte et ça me freine dans mon élan de lecture. C'est une chose de savoir que les gens parlent comme ça, c'en est une autre de retrouver ça dans le texte. Alors certainement qu'elle a voulu coller au plus près de la réalité, mais je trouve que c'est paradoxal parce qu'elle les fait s'exprimer comme ça et en même temps on retrouve sa manière très imagée d'exprimer des sensations, de décrire des choses de façon très poétique. Et je trouve qu'il y a vraiment une confrontation entre ces deux choses qui sont finalement si différentes, ce langage familier d'une part et cette belle écriture poétique et imagée de l'autre. Voilà, donc ça fait un petit peu étrange comme mélange. Voilà la réflexion que j'ai pu me faire. Et donc là, je vous prends en vidéo au moment où j'allais reprendre ma lecture, donc pendant la sieste des enfants, page 21. S'il vous plaît, j'en ai même fait une story tellement j'ai été choquée. C'est-à-dire que cette phrase-ci, c'est juste, mais impossible de retrouver ça dans un livre. La phrase commence ainsi. Quand j'ai entré au collège, au début du tout début, le tableau était au premier étage. Quand j'ai entré au collège, le der des der, après un max de marche que je viens de me taper à pied, c'est Ariane qui débarque. Elle a l'air d'avoir tombé du lit. Ça continue. Oh la vache ! Ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué comme lecture, hein, si c'est ça tout le temps. Alors, bon, il y en a qui s'expriment mieux que d'autres, hein, mais le Guy en question, je ne sais pas, à moins d'être dyslexique ou d'avoir des gros problèmes qui seront justifiés par la suite. C'est inadmissible que l'auteur le fasse exprimer comme ça. Oh, c'est dur, là. Bon, voilà, bah écoutez. Sur cette première impression, je vais vous laisser. Et puis, je vais reprendre ma lecture. Je vous retrouve bien, bien plus tard. Il est 22h30 passé. Mon mari vient de monter. Et moi, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture ici et seulement ici. Que j'ai donc... terminé, j'ai carburé là ce soir, c'était ma soirée de libre entre guillemets, puisque je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais comment est-ce qu'on fonctionne avec mon mari pour les soirées ? Eh bien un soir sur deux on est ensemble et un soir sur deux on est solo à faire ce qu'on a envie de faire. Donc la plupart du temps mon mari est dans son bureau à s'occuper de ses affaires et moi je suis dans le salon à m'occuper des miennes. La plupart du temps je regarde un épisode de série et je lis. Et quand on se retrouve ensemble pour faire notre soirée couple, eh bien... ça tourne en fait. Un coup, on regarde une série. Un coup, on fait un puzzle. Mais là, comme on l'a terminé, ben, on est parti sur des jeux de société pour faire une soirée vraiment sans écran. C'est le but en fait. Un coup, on regarde un dessin animé. Je vous avais raconté qu'on les regarde par ordre de sortie, du plus ancien au plus récent. Et on est toujours en 2014. Et un coup, on regarde un film. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Donc là... j'aurais pu regarder un épisode de série puisque il y a deux jours maintenant j'ai commencé à visionner la saison 3 de Downton Abbey
Il y avait l'épisode 2 qui m'appelait très fort, mais je me suis dit, bah non, non, je vais me concentrer là-dessus. Et je me suis tentée si bien concentrée que ça y est, je l'ai fini, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est écrit gros, ça se lit vite, c'est un livre qui fait à peine 240 pages. C'est difficile de vous le résumer et je suis même pas sûre d'en avoir très envie parce qu'il se passe pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman choral. On a plusieurs personnages et il leur arrive des choses pas cool. Mais pour tous, en fait. T'en as pas un qui est bien dans sa peau ou quoi que ce soit. Ce livre, je l'ai un peu pris comme une critique sociale, comme un objet d'étude de la vie adolescente à travers un établissement scolaire. Et bah, pour plein de raisons, en fait, c'est une lecture que je déconseille fortement aux adolescents. Parce que quand t'es ado, t'es souvent mal dans ta peau, t'es rempli de questions sur toi, sur les autres. Et je trouve que c'est un livre qui est assez finalement pessimiste, assez sombre. Et il n'offre pas une vaste fenêtre d'espoir sur l'avenir. Au contraire, j'ai trouvé que ce livre, c'était plutôt une affirmation assez cynique que l'adolescence est une phase de la vie qui, quoi qu'il arrive, se passe systématiquement mal. J'ai trouvé que ce livre manquait cruellement d'espoir. Ou peut-être que l'auteur a essayé d'en faire transparaître un petit peu, mais franchement, j'ai eu du mal à trouver cet espoir dans ce livre et c'est la chose qui m'a un petit peu choquée, qui m'a un petit peu dérangée, chagrinée. Alors le langage s'est pas amélioré, hein, je m'en doutais, mais le fait est qu'il y a une certaine accoutumance qui s'est produite puisque au bout d'un moment, franchement, je lisais sans sourciller et on peut pas enlever à l'auteur que elle est douée, hein, c'est-à-dire que bah, finalement, peu importe le sujet qu'elle choisit d'aborder dans son récit, son écriture est très accrocheuse et rythmée. Et même si réellement il se passe franchement pas grand-chose, elle a quand même réussi à me tenir en haleine jusqu'à la fin. J'avais vraiment de la curiosité quant à savoir ce qui allait se passer, de quelle manière tout cela allait se terminer à la fin de l'année scolaire. Et j'ai beaucoup apprécié retrouver une dimension un tout petit peu fantastique dans le livre. Je dirais même mystique, hein, réellement mystique. C'est assez perché, mais c'est chouette parce que ben, je trouve que ça permet de prendre un petit peu de recul sur les horreurs et les atrocités commises sur ces pauvres élèves, d'avoir cette dimension fantastique. Ça permet de se dire tout ça n'est qu'une fiction, voilà. Donc, est-ce que j'ai aimé ce livre et quelle note lui mettre? Je peux pas dire que ce livre m'ait déplu. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment à pointer du doigt. Et je suis pas sûre que ce texte mérite le battage médiatique qu'il y a eu de la part de la maison d'édition qui a envie de défendre son auteur, on le comprend. Qui a envie de faire de l'argent, on le comprend encore plus. Mais vraiment, enfin, ils nous ont tenus en haleine. Il y a eu un teasing absolument incroyable autour de ce titre. Est-ce que ça le justifiait? Franchement, je suis pas sûre. C'est pas un livre qui va révolutionner la littérature avec un grand L, mais c'est un texte qui est original, qui est marquant, qui est très éloigné de ce qu'a pu faire l'auteur jusqu'à présent. J'hésite à mettre un 3 ou un 4 sur 5 comme note. Alors, disons plutôt 3,5. Quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit « Oulala, il va partir sur Vinted à la fin du mois, celui-là. » Et en fait, ben, j'hésite. J'hésite parce que je me dis « Il est tellement particulier, ce récit, que je vais peut-être ressentir l'envie de le relire un de ces jours. » Par contre, c'est clair que je ne chercherai pas à relire ce livre quand mes enfants seront dans leurs années collège.
parce que sinon, j'ai pas fini de me prendre la tête. On sait tous que l'adolescence, c'est compliqué pour tout le monde. C'est vraiment un foutuage ingrat. On sait tous que à l'école, t'as les persécuteurs, les persécutés et ceux qui essaient de se fondre dans le décor. T'as les populaires, t'as les impopulaires. Ça a de tout temps été comme ça et malheureusement, je pense que ça le sera toujours. Et puis en plus de ça, pour appuyer le discours pessimiste de ce texte, c'est qu'on a des adultes quand même à un moment donné, que ce soit sous la forme des parents d'élèves ou des professeurs, et je les ai tous trouvés démissionnaires, peu investis dans leurs missions respectives. Et encore une fois, c'est ce genre de choses qui te donnent pas foi en l'avenir. T'as vraiment l'impression que l'auteur, en écrivant ça, elle croyait pas en son prochain et elle était un peu blasée de la vie. Tu te demandes même comment se sont passées ces années d'études à elle. Pas très bien, visiblement. Vu ce qui est écrit là-dedans, c'est qu'elle a plus trop l'air d'y croire, quoi. C'est un livre que je vous conseille de lire, en particulier si vous appréciez le travail de Christelle Dabos, mais que je ne conseille pas du tout aux collégiens lycéens pour les raisons que je vous ai citées auparavant. Finalement, je trouve ça très appréciable qu'elle ait écrit sur ce sujet-là et qu'elle soit pas partie dans un autre roman fantastique. Comme ça, il y a pas de comparaison possible finalement avec La Passe Miroir. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que La Passe Miroir? La question se pose pas, c'est tout simplement trop différent pour pouvoir comparer, et en ça elle a été très maligne. Je suis curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer par la suite dans les années à venir, parce que excusez-moi, je suis fatiguée comme tout, parce que ce texte nous montre qu'elle a une capacité certaine pour se réinventer, voilà. Donc c'était un texte vraiment eh bien, percutant, très intéressant, mais attendez-vous à ce que ce soit pas très gai, voilà. Eh bien, écoutez, hier, je n'ai pas du tout pensé à conclure ce vlog, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, mardi 18 avril, à mon bureau pour se dire au revoir, et je vais en profiter pour vous parler coloriage et vous montrer mon encours de colo, puisqu'il me semble que je n'ai pas fait de point coloriage au cours de ce vlog. Le mois dernier, j'avais demandé à Marius de choisir mon prochain coloriage à mettre en couleur dans le carré boule de poil de Diane Dufour, que j'apprécie beaucoup, que j'avais reçu de la part de mes parents pour Noël, et qui est segmenté en fonction des différentes saisons de l'année. Donc je lui avais fait choisir l'illustration de son choix dans la partie printemps de cet album de coloriage, et de manière assez étonnante, je trouve, il avait jeté son dévolu sur ce que je pensais être un agneau. Alors je vous dis de manière assez étonnante, parce que finalement c'est l'illustration la plus petite, celle où l'animal est vraiment tout rikiki et où il n'y a pas grand chose au niveau du fond. On voit qu'il y a d'autres illustrations qui sont, voilà, plus imposantes, plus longues à mettre en couleur, comme celle-ci par exemple. Mais non, écoutez, il m'a choisi ce qu'on pensait tous les deux être un petit agneau et qui finalement s'est révélé être un chevreau. Plus je le regardais, plus je me disais, cet animal n'a pas une tête d'agneau. Et je l'avais d'ailleurs soumis au vote dans une story Insta, et vous aviez été majoritairement à abonder dans mon sens. Donc voilà, cet animal s'est transformé en chevreau. Le voici, le revoilà. Et puis alors pour le fond, je suis partie sur un fond au Broadfunner Macaron. Plus je les utilise, plus j'aime les utiliser. Voilà, ce sont des crayons de couleur comme ça qui sont vraiment très très gras et dans des coloris pastels. Et je suis en train de réaliser un fond qui fait penser un petit peu à un papier peint vintage. Je trouve que ça colle plutôt bien avec cette illustration qui est au milieu, voilà. Alors évidemment ma petite Louise s'est montrée très jalouse, puisque pourquoi Marius aura le droit de choisir le prochain coloriage de maman et pas elle? Et du coup je l'ai laissé choisir une autre illustration dans cet album que je vais vous montrer tout de suite.
Alors, c'est très rare, hein, ça n'arrive quasiment pas que je choisisse de faire deux illustrations à la suite d'un même album. Mais bon, écoutez, la pauvre, elle me faisait beaucoup de peine, donc évidemment, pour lui faire plaisir, je l'ai laissé choisir. Et donc, ma prochaine illustration à mettre en couleur, celle que vous verrez probablement commencer dès le mois prochain, c'est cette jeune fille qui a le visage masqué par un énorme bouquet de fleurs et à ses pieds, on retrouve deux chiens qui ressemblent à s'y méprendre à des corgis. Voilà du coup pour le petit point coloriage de ce vlog. Quant à mes lectures, eh bien j'ai commencé un roman en anglais. Je me suis lancée dans Since I've Been Gone de Morgan Matson. C'est mon troisième livre de l'auteur. Ces livres, je les lis tous en anglais parce que je trouve que c'est de l'anglais qui est vraiment très accessible. Mais j'ai bien du mal à me tenir qu'à un seul livre lorsque je lis en anglais. C'est pour ça que maintenant que j'ai terminé Le Cristal Davos, eh bien je vais pouvoir entamer un nouveau roman en français. J'ai jeté mon dévolu sur un Liane Moriarty. J'en lis environ un par an. J'aime énormément cette auteure australienne. Et donc là, je vais me lancer dans À la recherche d'Alice Love qui nous promet un drame psychologique et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que j'ai vu de très beaux avis passer à propos de ce livre, donc j'espère qu'il saura me convaincre. Et il est désormais temps pour moi de vous laisser parce que cette vidéo est suffisamment longue comme ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à laisser les petits commentaires, les petits likes pour faire vivre cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous en vlog le mois prochain, puisqu'en mai, on se retrouvera autour de deux événements. D'abord, les 3 ans de Louise en début de mois. Et puis, dans un second temps, notre séjour à Porto en fin de mois. Voilà. Vous verrez à quel point je parviens désormais à être minimaliste quand il s'agit de partir en vacances avec des enfants en ce qui concerne les bagages. Et j'espère que tout cela vous intéressera. Je vous souhaite de passer une très belle journée et comme d'habitude, je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!